Hey, Matelot, ici Defroy, et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser la maison que vous avez derrière moi. Une villa pour la reprise, parce que ça fait une petite année que j'ai pas fait de vidéo. Et j'avais envie de refaire une petite maison pour l'occasion, en tutoriel. Je pense qu'à partir de maintenant, je ne vais faire plus que des grandes maisons en tuto sur la chaîne. Donc des maisons comme celle-ci par exemple, hein, en termes de taille. C'était une ancienne maison que j'avais fait en tuto il y a quelques temps déjà. Hein, donc vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube si jamais elle vous intéresse. Aujourd'hui, on va vraiment faire celle-ci, vous voyez. Dans un style que j'avais déjà fait, j'avais envie de reprendre un vieux style que je... Bon, je vais pas aménager, hein, parce que... Voilà. Mais, voilà, vous pouvez avoir quelques idées de décoration un peu sympa, vous voyez, comme par exemple des piliers en verre, en vitre, ou ce genre de choses, des parties surélevées de la maison, une piscine avec un chemin qui flotte sur la piscine, carrément. Enfin, voilà, vous avez deux, trois petites astuces intéressantes sur cette maison, et si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas à suivre le tuto qui va suivre. Mais oui. Ok, on va commencer directement par vous donner le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Hop. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir faire les plans de la maison au niveau du sol. Vous voyez, donc j'ai mis tous les plans ici, comme ça sur le côté. Et on va donc faire la maison couche par couche, c'est-à-dire qu'ici, là, vous avez l'empreinte au sol de la maison. Je vais vous donner les dimensions juste après. Et l'idée, c'est que l'on va venir mettre... Premièrement, la première couche au sol, donc ça va être vraiment celle-ci, hein, ok. Puis après, on va mettre 4 blocs au-dessus, la deuxième... couche de la maison, le premier étage finalement, la marque du premier étage, puis après on mettra ici le troisième, puis après le toit, ok? Puis après on mettra les murs pour relier tous les étages entre eux, mais c'est comme ça que l'on va faire. Deuxième chose aussi, pour le plot de la maison, vous voyez? Donc en largeur, il vous faudra un plot de 80 blocs au total, et de 50 blocs comme ça sur la profondeur. Voilà. Hop, on va commencer tout de suite du coup par les plans de la maison. Voilà pour les dimensions pour l'empreinte au sol. Donc l'idée, hein, c'est bel et bien d'utiliser, de mettre uniquement la partie en dessous, hein, les blocs de quartz lisses au sol. Et tout ça, c'est juste de l'information. Et une fois que l'on a notre surface comme ça au sol, on la remplit bien sûr. Hop. Voilà pour l'empreinte au sol de la maison. Hop, je vous ai mis le deuxième étage comme ça. Alors l'idée c'est qu'il est strictement au-dessus du premier, hein, enfin de du sol. Hein. Hop, toujours en bloc de quartz lisse. Et on est à 1, 2, 3, 4 et 5 blocs de hauteur au-dessus du premier. Il y a 4 blocs d'écart entre les deux. Ok, donc je vais vous donner les dimensions. Hop. Voilà, une fois que vous avez hop, les dimensions pareilles, on remplit à l'intérieur. Hop. Voilà, donc pour le deuxième étage, j'ai rempli, enfin j'ai posé directement le dernier étage, enfin le... Alors, le sol, premier, deuxième étage, voilà. Hop, on va au-dessus de cette partie-là, d'accord? Et on va mettre 1, 2, 3, 4 et 5 blocs de hauteur. Encore une fois, et je vais vous donner les dimensions pour cette partie-là. Une fois que l'on a du coup notre étage ici, pareil, on remplit. Et hop. Ok, donc j'ai rempli le deuxième étage et j'ai posé les limites du toit, hop, du coup qui... est aligné avec, vous le voyez, l'arrière ici, hein, sur les autres coins qu'il y a en dessous. Et je vais vous donner les dimensions. Hop, donc une fois qu'on a ça, ben pareil, on vient remplir le toit. Et hop.
Voilà pour le toit. Alors, j'en ai profité aussi pour mettre en place au sol les murs, en fait, tout simplement. Vous voyez, hein, là, ça sera des murs. Donc, on prendra de l'ardoise, des abîmes carrelés, des vitres et bah, voilà, encore des blocs de quartz pour faire tous les murs au niveau du bas de chaque étage. Et il faudra tout simplement les prolonger jusqu'au plafond pour pouvoir faire, eh bien, tout simplement les murs que vous voyez sur la maison, n'est-ce pas? Hop, donc je vais vous donner ça étage par étage, en commençant ici par le coin de la maison au niveau du bas. Je vous invite à vous munir d'ardoises des abîmes carrelées, de laisser un bloc ici comme ça, et en diagonale on va poser 4 blocs comme ça d'ardoises, 4 blocs de vitres, 2 blocs d'ardoises derrière. On prend des blocs de quartz et on les met sur le bord de la maison comme ça, et on va faire une ligne de 13 blocs si j'ai pas... Ouais, c'est ça, c'est bel et bien de 13 blocs entre ici et là-bas. Ok, donc je me tourne ici sur le côté, entre ce bloc-là et ce bloc-là, on a 10 blocs de quartz. On va un bloc en arrière, on met 3 blocs ici comme ça d'ardoise. Hop, carrelé. Re 1, 2, 3 blocs ici comme ça. Ici, on a une ligne de 4, 5, 6, 7 blocs de vitre. Ici, on a 6 blocs d'ardoise. Jusque-là, hein. Hop, ici sur le côté, on a 2 blocs d'ardoise. On laisse 2 blocs ici pour l'ouverture de la porte. Ici, on a 5 blocs d'ardoise. Hop, on se met comme ça, et entre ce bloc-là et ce bloc-là, on en a 5. Ok? Ici, c'est la vitre, comme on a de l'autre côté, donc on a 7 blocs de vitre. Ici, on a toute une grande ligne d'ardoise entre là et là, on en a 12, et normalement, vous devriez avoir un bloc de marge par rapport au bord de la maison. Hop, on met comme ça, on laisse 2 blocs d'ouverture, et on met, hop, ici, 6 blocs de vitre. Puis 1, 2, 3, 4 blocs d'ardoise, on se met comme ça, et entre là et là, on a 5 blocs d'ardoise, 4 blocs de vitre, 4 blocs d'ardoise, et ici sur le côté, on a 2 blocs de vitre, 2 blocs d'ouverture et 3 blocs de vitre derrière, et normalement vous devriez recoller à votre premier bloc du départ. L'idée maintenant, c'est qu'on va tout simplement prolonger les blocs qu'on a mis au sol, hop, comme ça en hauteur, de sorte que on va faire les murs comme ça, hein, vous voyez, tac 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 au niveau des vitres et tout ça. La seule subtilité qu'il y aura, c'est que au niveau de la partie en quartz ici comme ça, on va mettre 1, 2, 3 blocs de large comme ça, collés jusqu'au plafond, d'accord? Mais que pour le reste ici, des blocs en ardoise, en quartz, on va mettre juste 2 blocs comme ça, on va laisser un bloc par rapport au plafond, un bloc de marge, hein, comme ça, surtout de la longueur, jusqu'à là-bas ici aussi. Et on va mettre des dalles de quartz lisse comme ça, histoire d'avoir une espèce de filet, une espèce d'espace comme ça entre le mur et l'étage du dessus, ce qui permet de donner un côté un peu design, vous voyez, hop, au mur, comme ça. Pour le reste, on monte tout au plafond. Hop. Hop. Voilà, donc. Voilà ce que ça donne. On va juste prendre maintenant des vitres blanches et on va venir ici, vous voyez, sur cette partie-là, mettre, hop, des vitres comme ça, hop, blanches. Alors, non, pas comme ça, juste comme ça, des piliers. Alors, là, j'arrive pas à cliquer dessus. Voilà. Jusqu'au plafond. Hop, tac, 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 tac. Et on va mettre voilà, des piliers de vitres blanches comme ça, parce que c'est ultra stylé, ultra design. Si tant est que j'arrive à cliquer dessus, évidemment. Hop, 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 voilà. Ok, donc on va passer à l'étage du dessus. On va prendre cette partie-là. Donc vous allez mettre des blocs de quartz ici en ligne sur toute la longueur jusque-là. Tout simplement, sur toute cette partie-là, hein, du coup. Hop. On va aussi mettre, donc en fond de la maison, ici, tout au fond, une ligne de quartz entre ce bloc-là, youp, tout jusque ici, une ligne de 27 blocs de quartz, d'accord? Ok.
On va venir prendre ce coin ici, vous voyez, vous laissez un bloc comme ça, et ici on va mettre un bloc d'ardoise. On en met un devant, et derrière on en met 1, 2, 3, 4, 5 ici, d'accord? Donc vous vous mettez comme ça entre ici, et là on en met 6. On vient reprendre nos blocs ici, et vous voyez, entre l'étage du dessus et ici, c'est la même chose. Ça sera la même chose aussi au-dessus, pour que les murs soient tous les uns au-dessus des autres, et les fenêtres les unes au-dessus des autres. Donc ici, c'est une vitre de 7 blocs de large à ce niveau-là, comme en dessous. Et là, pareil, ici, on va mettre une ligne de 6 blocs d'ardoise, comme en dessous, du coup. Ici, on va mettre après 4 blocs de vitre, puis une ouverture de 3, 4, 5 blocs, où on ne mettra rien du tout. Puis 1, 2, 3, 4 blocs de vitre. Ok. Dans ce sens-là, on va mettre, hop, ici 9 blocs d'ardoise. Puis après, on va alterner un bloc de vitre, puis un bloc d'ardoise, comme ça, jusqu'au mur. Et normalement, au mur, vous devriez avoir un bloc de vitre. Sur ce mur-là, on va mettre toute une grande ligne de blocs de quartz, parce que on va les faire monter jusqu'au plafond, hein, comme les autres. Et de ce côté-là, c'est la même chose que ce que vous avez en face, c'est-à-dire voilà, vitre, ardoise, etc., etc. Ici, pareil, ce mur là-bas, eh bien, ça va être le même ici, exactement. Puis après, derrière, vous avez, hop, 8 blocs de vitre. Puis dans ce sens-là, on va mettre entre ce bloc-là et ici, on va mettre 9 blocs d'ardoise. Vous devriez être aligné avec le mur d'en face. Ici, jusque là, vous voyez, on va avoir 13 blocs et on est aligné avec la vitre d'en face ici comme ça. Vous voyez, avec le bloc de quartz ici qui dépasse de un bloc sur la vitre. Ça, c'est normal. Puis on met, hop, une ligne de 6 blocs d'ardoise comme en dessous. Et puis c'est tout. Ok, et on monte tout ça jusqu'au plafond. Hop. Ok. Voilà ce que ça donne. Alors du coup, le dernier étage va être extrêmement simple à mettre en place, tout simplement parce que, comme je le disais, ça agit du prolongement des murs ici comme ça, des prolongements des vitres, pareil ici comme ça. Donc, sur cette partie-là, on va mettre une ligne de blocs de quartz, tout simplement, hein, qui permettra de faire la jonction avec le mur, hein, comme on avait fait ici, vous voyez, on a tout un mur plein. Ça sera la même chose là-bas. À partir du bloc d'à côté, ici, vous voyez, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 blocs de vitre, puis après, la même chose qu'en dessous, hop, 7 blocs d'ardoise, puis 7 blocs de vitre, ici comme ça, puis 6, si je me rappelle bien, voilà, 6 blocs d'ardoise. Ici, en face, on va laisser 1, 2, 3, 4 blocs d'ouverture, puis 1, 2, 3, 4 blocs de vitre. Hop, et la même chose en face, ici, vous voyez, là et là-bas, c'est la même chose, donc vous mettez la même chose ici et là, pareil, ici et là, et là-bas et ici, etc., etc., c'est tout pareil. Alors là, j'avais laissé des blocs de feuilles, mais n'y prêtez pas attention pour l'instant. L'idée, c'est de monter tout ça jusqu'au plafond maintenant. Allez. Voilà. Alors, petit détail, devrais-je dire. Sur le coin qu'il y a ici, on va mettre une ligne de blocs comme ça, qui va faire de quartz lisse encore une fois, et qui va faire 12 blocs de large, d'accord? Mais celle-ci, on ne la monte pas à 3 blocs, hein. Pareil sur cette ligne-là qu'on avait mis tout à l'heure, je vous l'avais peut-être pas précisé, mais celle-ci, elle reste comme ça, on ne la monte pas au plafond, tout simplement parce qu'il n'y a pas de plafond. Hop, et elle fait 13 blocs de longueur, ok? Maintenant, on va utiliser les escaliers en quartz lisse pour pouvoir faire deux choses essentiellement. Donc des escaliers, hein, comme ceux que vous voyez ici. On va faire ça sur 5 blocs de large à ce niveau-là. Et des escaliers aussi pour faire les supports pour la partie de la maison qui est suspendue. Enfin, qui est suspendue, qui est dans les airs, quoi. Donc, on va se mettre ici sur le bord de la maison. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 blocs d'escalier. On va se mettre en dessous. Hop, et on fait la même chose à l'envers, à l'endroit à l'envers, hop, jusqu'au sol. Hop, voilà. On va faire un deuxième escalier, hop, à l'intérieur de la maison.
ici. Donc on va le mettre à côté de la grande du mur en ardoise qu'on avait mis ici, d'accord. On va le faire sur 3 blocs de large, hop, comme ça, et on va le faire monter au deuxième étage, bien sûr. Hop, hop, hop. Comme ça. Et ici, vous voyez que sur le côté, le mur, il y a une séparation ici, comme ça. Donc, on va enlever les parties en quartz et on va prolonger le mur, surtout le long de... Enfin, comme ça, quoi, tout simplement. Comme ça, ça fait plus joli. Tout simplement. Hop. Voilà. Et il faudra pas oublier, évidemment, de mettre des escaliers à l'envers en dessous. Ça fait quand même plus joli. Ok. Et... hop, le support pour la maison. Alors, l'idée, c'est que l'on va... normalement, si je dis pas de bêtises, il y a 12 blocs de large. Hop, ici, comme ça. 11 blocs, d'accord. Donc, on va prendre le milieu. On est à 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Voilà, donc là, on a le milieu du truc. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs, ici, comme ça. À partir de ce bloc-là, on va mettre un escalier à l'envers, comme ça. Puis, comme ça. Comme ça, et on va faire un V en fait, une forme de V avec les escaliers. Hop, 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 hop. Vous voyez, donc on fait ça comme ça une fois au sol, et on repart vers le haut. Hop, 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 ok. Et voilà, ça nous fait un petit support intéressant pour la maison. On va vite fait finir vraiment les terrasses. On va venir prendre les vitres noires, ok? Et on va venir ici sur, sur l'escalier, on va laisser 3-4 blocs, 1, 2, 3, 4, 5 blocs de marge, et on va mettre des lignes de vitres comme ça. Ici sur le côté aussi, à côté de l'escalier, et on va venir mettre ça sur hop, toute la longueur jusqu'au mur comme ça. Ok, histoire de vraiment faire des barrières de terrasse. Ici, la même chose, on met une vitre comme ça. Une ligne de vitre, je devrais dire. Hop. De l'autre côté, ici, sur le deuxième étage, ça va être la même chose, ou presque. On prolonge ici les murs. Hop. Arrivé comme ça, on va comme ça. Et on va laisser 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Hop. Et on va venir faire un truc comme ça. Donc on laisse une grande marge ici, comme ça, ok. Hop, on relie ça jusqu'ici. À partir de là, on reprend ici. Jusqu'au... ah oui, non, effectivement. Le mur, comme vous le voyez, est décalé d'un bloc vers l'intérieur de la maison. Donc, on va faire la même chose avec les vitres. Je me suis trompé. Hop, on enlève ça. Youp, et on met une ligne de vitre. Ici, comme ça. Ok. Un autre petit truc sympa sur la maison, c'est qu'on va venir mettre une ligne de blocs de quartz ici, comme ça. Ok. Ainsi que des dalles de quartz. Hop, je vais les prendre sur la maison. Hop, voilà. Pour faire justement cette petite forme, comme ça, recroquevillée. Qui est assez sympa. Par contre, je dis ça, je sais plus quelle est... là, la longueur de 8 blocs de large, ok. Donc, on va mettre à partir de là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs de dalles. Hop, jusque là. Comme ça. Et on va recouvrir tout ça à l'intérieur avec des dalles. Hop, vous voyez. Bon, maintenant on a l'architecture globale de la maison et on va continuer avec le sol. Donc je vous ai mis hop, 3 grandes zones finalement que l'on va mettre. On va utiliser du gravier pour mettre un chemin qui aura du coup devant les escaliers ici, d'accord. Donc on va venir mettre du gravier donc sur toute la largeur devant les escaliers sur 5 blocs de large et sur... hop, sur 16 blocs de long entre le bord des escaliers et ici sur 16 blocs. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir juste de là jusque l'autre bout, jusque là, mettre une ligne de 38 blocs de gravier, d'accord. Et là pareil, on va mettre 5 blocs de large de gravier,
pour faire un chemin comme ça. Hop, tout simple, hein, mais qui fait bien l'affaire. On va derrière les escaliers maintenant, n'est-ce pas, au niveau de ce bloc-là. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocs. Au niveau du 11e bloc, au pied, on va mettre des blocs de roche lisse. Ok. Et on va prolonger ces roches lisses comme ça, tout jusque là-bas, ce qui nous fait une ligne de roche lisse de 41 blocs au total. L'idée, c'est qu'à partir de là, vous êtes aligné avec le reste de la maison ici, là, vous voyez, sur toute la ligne ici. Ok, une fois que vous avez ce bloc-là, entre ce bloc-là et ici, on va avoir 12 blocs de large en termes d'une ligne de roche lisse, encore une fois, hein, n'est-ce pas? Hop, puis après on va faire un grand carré là-bas, on repart dans ce sens-là, entre là et l'autre côté, donc de 37 ou 41, voilà, 41 blocs encore une fois, et vous reliez ici. Vous mettez deux blocs de marge, hop, comme ça, de roche lisse partout, ok, sur toute la largeur. Puis à l'intérieur de ce grand carré, finalement, moi j'ai déjà creusé dedans, mais vous, normalement, c'est juste de l'herbe classique comme ça, hein, tac tac. Vous creusez tout dedans, d'accord? Et on va pouvoir mettre un espèce de chemin, c'est-à-dire qu'on va utiliser du béton bleu, d'accord? Du béton bleu clair, et on va faire des grands carrés sur l'eau comme ça. C'est-à-dire qu'on va venir d'ici sur le coin, on va compter, hop, 7 blocs jusque là. À partir du 8e bloc, vous mettez 2 blocs de béton bleu ici comme ça, d'accord? Vous les espacez d'un bloc ici, on va mettre un carré comme ça de béton bleu, hop. Et après, l'idée, c'est qu'on va mettre un bloc d'espace entre chaque, puis un carré béton bleu, un bloc d'espace, un autre carré, et on arrive jusqu'à l'autre côté. Et l'idée, c'est que ici, de l'autre côté, on va faire la même chose, sauf que les carrés vont être légèrement décalés les uns par rapport aux autres. Ici, vous voyez, c'est légèrement décalé par rapport à celui-là, etc., etc. Donc, vous faites ça comme ça. Et puis, pour le reste, vous allez creuser dans la piscine de 3 blocs de profondeur supplémentaires. Donc là, on a un bloc déjà qui a été creusé, 2, 3, 4 blocs. Donc là, forcément, je suis sur une flat map, donc y a pas beaucoup de profondeur. Mais en gros, voilà, vous pouvez creuser 2, 4 blocs de profondeur. À partir de là, ça fera 1, 2, 3 et 4. Bref, on fait un trou. Hop. Ok, donc là, j'ai creusé, comme je disais, 1, 2, 3, 4 blocs de profondeur. Et l'idée, c'est que maintenant, on va utiliser du béton bleu clair pour remplir tout le bas de la piscine. Hop, comme ça. Hop. Et on va enlever toute la terre qui est visible ici, vous voyez, sur tout le long de la piscine. Et on va la remplacer par du béton bleu, là aussi. Ok, let's go. Hop. Ok, donc une fois qu'on a creusé notre piscine, on va pouvoir mettre des lumières dedans. On va utiliser des lanternes de la mer, n'est-ce pas? Lanterne aquatique, à chaque fois je me trompe. Et on va venir en mettre au niveau du bas de la piscine, comme ça, ou au-dessus, comme vous voulez. On va les espacer de 5 blocs chaque. 3, 4, 5, paf, paf, voilà, 3, 4, 5, paf, 2, 3, 4, 5, paf. Hop! Voilà ce à quoi ça ressemble. Alors maintenant, il suffit de remplir d'eau, hein, tout simplement. Hop, donc un seau d'eau. Et c'est parti, Jeannot. Allez, hop. Ok, donc, une fois qu'on a bien mis de l'eau partout, on va pouvoir utiliser des plaques de pression en chaîne, d'accord, pour les mettre sur les carrés qu'on avait mis tout à l'heure. Et normalement, si vos carrés sont à la bonne place, à la bonne position, hop, on va pouvoir les prolonger, vous voyez, comme ça, un peu des marches que l'on va prolonger sur l'herbe. Et normalement, hop, vous passez juste à un bloc à côté du chemin en gravier, comme ça. Hop, tac, 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 tac. Ok, là, la même chose ici. Vous voyez, on met des carrés comme ça, tac, 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 tac. Avec un bloc de marge de chaque côté. Voilà, jusque là. En fait, l'idée, c'est de mettre suffisamment de de prolonger le chemin jusqu'à ce que ça atteigne le bord de votre parcelle, de la route à côté de la maison, ce genre de choses. Hop, ici on prolonge aussi, et normalement on arrive pile poil
Hop, à un bloc du bord ici de notre terrasse. Alors, il y a un truc que je ne vous ai pas dit bien sûr, mais qui est quand même très très simple à mettre en place, c'est que tout l'espace qu'il y a du coup entre la piscine ici et la terrasse et la maison, on va tout simplement, tout cet espace là, la remplir de bois de sapin, tout simplement. Hop, des planches, alors j'avais mis des dalles, ok, donc là c'est vraiment deux dalles, deux bois de sapin que j'ai mis l'une sur l'autre, mais au final j'avais fait des tests. Bref, donc toute cette zone là, on la met en bois de sapin. Et on va reprendre nos plaques de pression en chaîne et on va venir mettre un autre chemin. Ici, on va venir de ce côté-là de la maison, en face de notre ouverture ici de la porte. Et on va venir faire, hop, voilà, des carrés de plaques de pression. On va en venir en mettre comme ça, voilà. Tac, 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 pour faire un petit chemin jusqu'à rejoindre en fait le chemin en gravier. Ok, ici sur notre coin à ce niveau là de la maison, on va venir mettre une petite terrasse minimaliste, extrêmement zen dans le sens japonais du terme, c'est à dire une terrasse je pense que le mieux c'est de vous montrer. Hop. Une terrasse toute plate comme ça, vous voyez, qui est très très basse finalement, avec encore une fois une table aussi qui est très très basse, avec voilà, dans un style très japonais justement, vous voyez, vous avez tout au ras du sol, tout qui est très taillé dans les jardins zen, vous voyez, un peu comme ça justement, c'est pour ça qu'il y a cet arbre là qui est aussi très taillé, là aussi c'est pas du tout un arbre naturel. On va venir faire ça, c'est-à-dire qu'on va venir voir cette fenêtre là, on va prendre des dalles de chêne et on va les prolonger comme ça sur l'ensemble du coin finalement de la maison. Hop, je vous montre les dimensions juste après. Donc entre là et là, on va avoir 12 blocs de large, hein, comme ça. Normalement vous êtes aligné avec le reste de la maison ici comme ça. Et vous avez 3 blocs, 4 blocs ici d'espace avec la maison ici. Ce qui nous laisse juste la place pour que devant l'entrée ici, on puisse mettre un petit carré qui fait un chemin. Comme ça, pour reprendre le même chemin que là-bas. On va venir prendre des dalles en sapin. On va venir mettre, hop, ici, des blocs finalement de sapin. Ici, on va compter... alors, attendez que je me perds pas. Donc, c'est 1, 2, 3... 4, 5 blocs, et après au sixième on remet des dalles comme ça. On va venir utiliser des escaliers en bois de chêne, hop, ici comme ça, ici, paf paf, l'un en face de l'autre. On va utiliser des tapis blancs, ok, et on va venir les mettre comme ça pour faire une petite un petit coin justement un peu sympa. On va utiliser les end rods, donc les barres de l'end comme ça, ainsi que des feuilles, ok, feuilles de chêne ou feuilles de absolument n'importe quoi comme vous voulez. Et on va venir mettre ici, hop hop hop, 3 barres de l'end comme ça avec des feuilles au dessus. Ça nous fait à la fois de la lumière et une petite touche de végétation, ce qui est plutôt pas mal. On va prolonger avec des barrière en chêne noire pour pouvoir faire le grand arbre dont je vous avais parlé juste avant. Ici comme ça, donc on va le faire sur... ici on a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs de hauteur, ici comme ça. À partir de 3 blocs, 4 blocs de hauteur ici, on va venir mettre une branche comme ça. 2 blocs au-dessus, on va venir mettre une autre branche. Puis... une autre branche, oui, comme ça, pourquoi pas, d'accord. On va venir prendre les feuilles de chêne et faire 1, 2, 3, 4, 5 blocs comme ça de hauteur. 1, 2, 3, 4 blocs ici comme ça. 3, 4, 5, 6, 7 blocs ici au-dessus, 7 blocs au-dessus. Hein. Et sur le côté ici, on va mettre 1, 2, 3, 4 blocs aussi. Ce qui nous fait un petit arbre... très stylé, très design, on va dire. Ok, une fois qu'on a ça,
on va pouvoir compléter un petit peu la terrasse. C'est-à-dire qu'on va continuer avec les barres de land, ok, et on va venir les mettre ici. Hop, ici comme ça, puis après deux blocs à côté. 1, 2, une barre de land, 1, 2, une autre barre de land. Des feuilles au-dessus. Tac, 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 tac. Et on va aménager la terrasse comme ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser des escaliers en chaîne, comme ça. On va venir en mettre paf, 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 comme ça par exemple. Puis des dalles à côté, histoire de faire un peu, vous savez, des escaliers dans lesquels on peut... des canapés dans lesquels on peut s'allonger. Tac, tac, comme ça. On peut utiliser aussi des dalles en quartz pour faire vraiment un vrai canapé très stylé, ma foi. On peut aussi utiliser un escalier comme ça. Comme ça, ça casse un peu la symétrie, enfin le côté un peu aligné, trop aligné du canapé. On fait la même chose de l'autre côté en face. Donc on va mettre 1, 2, 3 blocs de distance. Puis on va faire ça comme ça. Paf. Tac, tac. Comme ça par exemple. Et on peut mettre, voilà, 2 blocs de pierre lisse entre les deux, peut-être 3, pour faire une table tout simplement entre les deux. Ok. Puis le reste de la maison, véritablement, ce sera des finitions de la décoration. Je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup sur la maison réelle. Donc ici sur le côté de la du chemin en gravier, on va pouvoir mettre du verre avec des pierres lumineuses au fond. Donc creusez un trou de 2 blocs comme ça, vous creusez un trou de 2 blocs. J'ai plus de pierres lumineuses. Vous mettez une pierre lumineuse comme ça, du verre au-dessus. Espacez d'un bloc par rapport au chemin comme ça. Et vous les espacez de 2 à chaque fois. Ok, sur toute la longueur ici comme ça. La même chose ici sur le côté. Ok. Ici sur le côté, alors là ça sera vraiment votre bord de parcelle, c'est-à-dire que derrière les arbres qu'on aura ici, on va mettre vraiment le mur pour la fin de la parcelle, comme je vous avais montré au tout début de la vidéo. Donc l'idée c'est de mettre 2 barres de land comme ça, l'une par-dessus l'autre, puis après 4 blocs de feuilles au-dessus, et de les espacer de 2, 3, 4, 5, 6 blocs à chaque fois, d'accord ? Et pour avoir un repère, vous prenez 1, 2, 3 blocs d'espace par rapport à votre ligne de votre chemin de plaque de pression. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Hop, c'est surtout la largeur de votre maison. Alors, en ce qui concerne... Ah voilà, alors voilà, il y a encore une dernière petite chose. Ça sera ceci. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait une grande ouverture dans la maison à ce niveau-là? C'est parce que j'avais testé de mettre une terrasse suspendue dans les airs. Parce qu'on n'est jamais trop luxe. On n'est jamais trop dans le luxe. En tout cas, dans Minecraft. On va mettre ici, du coup, vous voyez. Hop, à partir de la partie en vert, ici, on décale de 2 blocs. Et en dessous, on met une ligne de dalles en sapin, voilà, 3 ou 4 blocs de dalles en sapin, et pareil, 1, 2, 3 blocs en sapin à côté. On va refaire la même chose ici comme ça, vous voyez, comme ça. Et l'idée c'est qu'on va utiliser des trappes en chaîne du coup de cette manière. Hop, paf, 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 paf. On va peut-être enlever celle-là et on va mettre des trappes en chaîne comme ça. Une fois qu'on a ça, l'idée c'est que l'on va mettre des escaliers comme ceux, enfin des canapés faits en escalier comme ceux qu'on vient de faire ici. Tac, 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 avec une dalle dans ce sens là, d'accord. Tac, tac, et tac. Alors pour pouvoir placer des escaliers sur des trappes comme ça, il faut s'accroupir, vous voyez, sur la vue comme ça, on voit que je peux m'accroupir et de cette manière je peux placer l'escalier sur la trappe, alors que sinon ben, la trappe s'ouvre tout simplement. Ok, une fois qu'on a notre petite terrasse comme ça, on va rajouter des tapis. Alors de la couleur que vous voulez, moi j'ai utilisé du gris pour que ça corresponde un peu à la couleur des murs finalement. Hop. Et l'idée pareil, on s'accroupit pour pouvoir placer les tapis sur les trappes.
Hop, comme ça. Et ça nous fait une terrasse suspendue dans les airs. Oui, carrément. Parce que, voilà, comme je disais, on n'y a jamais trop de luxe. On va revenir ici sur la maison. Et vous voyez sur la partie de la terrasse à ce niveau-là, où on avait laissé de l'espace, tout simplement. On va rajouter des panneaux solaires. Donc, des capteurs de lumière mis en position nuit, comme ça, tout simplement. 2 sur 3, comme ça, espacé d'un bloc, 2 sur 3 encore une fois. Et aussi quelque chose qui est assez facile à faire et qui rend très bien, c'est de placer des blocs de feuilles un peu de cette manière, qui pendent un petit peu dans les airs, et de les mettre un petit peu, vous voyez, là-bas aussi, un petit peu partout dans la maison, pas trop non plus, pour pas faire too much, mais un petit peu quand même. Vous voyez par exemple sur le toit ici, comme ça, faire hop, des feuilles qui pendent comme ça. On peut le faire ici aussi sur notre partie de la maison qui a un bloc disponible comme ça sur la longueur. Voilà, ce genre de choses, ça met des petites touches comme ça de végétation sur la maison, ce qui est pas mal. Et la même chose sur le toit, hein, donc des grands panneaux solaires. Ici, je les ai fait de 2, 3, 4, 5, 6, 6 blocs de longueur. Avec deux blocs de marge sur le côté. Et voilà, une ligne de feuilles comme ça qui tombe sur le côté de la maison, ça rend plutôt bien. Alors, j'ai aménagé les terrasses un peu de la même façon que les terrasses d'en dessous, c'est-à-dire avec des escaliers mis un peu comme ça en forme de L pour faire un canapé. On peut mettre des pancartes sur les côtés ou des portillons en chaîne entre deux escaliers comme ça pour faire un accoudoir. Okay, ce sont de vieilles astuces, mais qui marchent toujours très bien. Hop, sur le côté, on met des transats ultra stylés, parce que moi, j'aime beaucoup les transats comme ça. Pour ceux qui viennent voir les lives, d'ailleurs, je fais des lives sur Twitch, donc voilà, j'ai oublié de le dire au début de vidéo, mais je fais des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir, et à chaque fois, moi, je les appelle les bronzats, ces transats comme ça. Ce sont des transats de luxe, vous voyez, avec des escaliers comme ça, un peu partout, un prolongement en dalle. Et ça le fait plutôt bien. Ici pareil, voilà, bon, quelques escaliers histoire de. Des barrières en chêne avec quelques feuilles histoire de donner un petit peu de couleur là aussi. Sur cette partie-là, on va faire la même chose, donc les mêmes transats ici. Une petite table en dalle juste devant, rien de bien compliqué. Ici, un petit salon d'extérieur avec du grès lisse. D'accord, pour faire des canapés un peu plus cossus, on va dire, que les autres. Voilà, donc 5 blocs de grès lisse comme ça avec un accoudoir par devant. Hop, de cette manière, hein, pareil de l'autre côté. Et ici, voilà, de la terre cuite pour faire une table au milieu. J'ai mis aussi des cornichons de mer sur le dessus, histoire de faire un peu comme si c'était des verres ou autre chose, posé sur la table. Voilà, on met aussi quelques barres de laine avec des feuilles au-dessus à ce niveau-là. Et sur le côté là-bas aussi, comme je vous ai déjà montré. Et puis après, pour le reste, eh bien, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je pense que j'ai tout montré sur cette maison. Sur ce, vous voyez, il y a encore une petite... on voit une autre maison à ce niveau-là. C'est une autre maison qui avait été faite en tutoriel là aussi. Hop! Et qui est là aussi une maison suspendue par des piliers comme ça dans les airs. J'en avais fait un tutoriel il y a longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Bref, on se retrouve la prochaine fois pour une maison, je pense, beaucoup plus grande que celle-ci. Ce sera une autre maison, une autre villa de luxe. Mais je pense qu'elle sera au moins deux fois plus grande. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre aussi sur Twitch. Où on élaborera les maisons ensemble. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.